Ils sont une centaine de migrants, majoritairement des Afghans et des Somaliens, à avoir été relogés dans ce gymnase de Vaujour, en région parisienne. Ici, ils se sentent en sécurité, comme Salah, un jeune étudiant afghan, arrivé en France il y a une semaine. Ici, on a de l'eau, de la nourriture, des toilettes. Dehors, c'était horrible. Ici, je me sens bien. Avant, je dormais dans une tente. Là, on est au chaud, en sécurité. Avant l'arrivée de l'hiver, c'est mieux. Mais hier, dans l'évacuation, j'ai tout perdu, mes documents et mes vêtements. Hier soir, ils ont passé leur première nuit au chaud, sous un toit, après avoir été évacués de leur campement de la Porte de la Chapelle à Paris. Certains retrouvent d'autres compatriotes. Une grande entreprise fournit des repas quotidiennement aux migrants, distribués ensuite par des bénévoles attentifs à leurs besoins. On essaie de maintenir un peu l'ordre ici et aussi de créer un peu une relation avec tous les migrants, justement de les mettre en confiance. On essaie d'aller les voir, leur poser des questions. Ce gymnase leur est réservé pour un mois. C'est la deuxième fois que la préfecture réquisitionne ce lieu. Le maire de cette petite ville de 7000 habitants s'agace de cette mauvaise gestion. C'est le seul complexe sportif que nous avons sur la commune, avec des soucis, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, sur les collèges, les lycées, les écoles, les associations. La centaine de migrants hébergés ici devra quitter les lieux au plus tard le 4 décembre.